À quoi ressemblaient les crampons des footballeurs pros dans les années 80 ? Marius Trésor et Patrick Battiston, des icônes du foot français, nous en parlent. Et ça va plaire aux puristes. Les World Cup, c'était extraordinaire. Qu'on voyait souvent en Allemagne, la petite semelle avec un logo rouge. Donc c'était la chaussure magique. Moi, quand j'ai débuté, très jeune, 10 ans ou 11 ans, j'ai été prendre une Adidas, je ne sais plus si c'était Beckenbauer ou je ne sais plus ce que c'était, me semble-t-il. Kaiser peut-être, Kaiser. Donc j'avais cette chaussure, mais bon, elle était un peu dure. Alors j'ai acheté d'Aquine de port et puis je mettais ça sur la chaussure pour l'assouplir. Et j'avais ces chaussures-là et après on essayait toujours d'avoir cette chaussure dans laquelle on se sentait bien. C'était la chaussure parfaite, tout simplement, celle qui faisait faire les bonnes passes. Voilà.